Quand je regarde ma tête dans la glace, je suis bien forcé de constater que ce n'est pas ce que je voyais autrefois. Il y a des poches sous les yeux, une moustache grise, un nez qui a grandi comme grandissent les nez après la cinquantaine, des cheveux qu'il faut peigner adroitement afin qu'ils couvrent grosso modo la sphère du crâne, des sourcils qu'on ne distingue presque plus parce qu'ils ont blanchi, ce qui ne les empêche pas de commencer à broussailler. J'ai horreur des vieux abrutis ayant des sourcils comme du fil de fer barbelé et à qui ça donne un air solennel. Ce sont mes cheveux blancs qui me chagrinent le plus. Tout le monde est vieux en France aujourd'hui, et me voilà affublé de l'uniforme des vieux, moi qui toute ma vie ai tâché de ne pas ressembler aux autres. Me voilà incorporé dans l'armée des têtes chenues qui occupent notre territoire. Peu s'en faut que je ne me prenne pour un traître. Je me teindrai volontiers en brun ou en châtain, non pas pour me rajeunir, mais par esprit de contradiction, afin de me démarquer une dernière fois des gens de ma génération et des générations voisines, lesquelles m'ont toujours inspiré un particulier éloignement et dont le temps ne m'a pas rapproché. Au fond, je me moque assez de l'aspect que j'ai. Et puis n'exagérons pas, ma peau est restée fraîche. Je n'ai pas le cuir plissé, les joues rudes, la lippe dégoûtée des bourgeois. Sans compter qu'on a plutôt meilleur genre quand on est vieux que quand on est jeune. Surtout si l'on est natif du Capricorne. Je ne dis pas que je suis plus joli garçon qu'à 20 ans, mais je me déplais moins. Et ça n'est pas parce qu'à la longue je me suis habitué à moi. Les années n'ont pas causé que des ravages, elles ont donné aussi des coups de pouce. Elles m'ont conféré une sorte de fini artistique. Lorsque je m'écris le matin au-dessus de mon lavabo, oh là là, quelle gueule! Je ne suis pas entièrement sincère, je pastiche les gens de mon âge, je prononce une espèce de cliché rituel. Je m'amuse à faire des grimaces devant le miroir, tordre le nez, loucher, gonfler les joues, avancer ou rentrer le menton. Je cligne de l'œil, je prends l'air hilar. Sont-ce là des mœurs de vieux, voire simplement d'hommes respectables? Je me demande si tel ou tel de mes grands aînés avait cette bizarrerie. Quant à Proust, j'en suis quasiment sûr. Mais Dickens, par exemple, en dépit de tout l'humour qu'il y a dans ses romans, faisait-il lui aussi des grimaces au-dessus de son pot-à-eau et de sa cuvette en se débarbouillant le matin? Je crois pas. Il avait trop de barbe et de cheveux, ça gêne pour désarticuler la physionomie. Et puis il y avait des gens autour de lui, ne fût-ce que son valet de chambre. On ne fait pas de grimaces en public quand on est un homme célèbre. En ferais-je aujourd'hui que j'ai ce qu'on appelle une tête connue? À 20 ans, 25 ans, plus tard encore, je donnais des fous rires à ma petite femme dans le métro ou dans l'autobus en simulant des tics nerveux. Je jetais convulsivement la tête en arrière, les yeux exorbités, la langue pendante, le bras droit agité de saccade. Périodiquement, je poussais un râle. Mon triomphe était qu'un voyageur apitoyé céda sa place au grand malade. Mais généralement, le public voyait bien que je faisais le pitre et levait les yeux au ciel. Cette réprobation du bétail convoyé par la RATP me comblait. J'étais enchanté de scandaliser les ruminants parisiens, de leur montrer qu'il existait de par le monde un philosophe n'ayant ni préjugés ni hypocrisie, capable de se moquer cynique.